Ok. J'ai un peu peur sur la survie à court terme de l'équipe. Hein, j'ai dit non. Tu vas faire ce que je te dis. Ah. Ah ça, j'ai eu du bol dans l'aléatoire. Je pense que c'est le décès. Je pense grandement que c'est le décès. Et c'est le décès. Et c'est la mort. Donc, comme promis à chaque mort, allez-y, votez! Votez pour Faris! Quel sera le job de Faris? Allez-y! Non, Tisha, faut que tu tapes point d'exclamation vote. Faut taper point d'exclamation vote. Voilà, comme ça. Allez-y, votez. GG, Willou, pour ton daily challenge. Blackwiz. Au cas où. Alors, maintenant pour Lena. Allez-y, votez. Night. Pour Galuf. Attendez. Allez-y pour Galuf. Je rappelle qu'en cas d'égalité, c'est Sinaël qui choisit.
Quoique non, je vais même faire mieux. En cas d'égalité, je vais faire un winner. Donc, White Wiz. Et maintenant pour Pulps. Allez-y, votez. Boum, boum. Allez-y, votez. Je crois qu'il reste plus que toi, Willou. Allez, je ferme. Ouais, je suis fatigué, moi. On dit Monk. Vas-y, vas-y. Refais ton vote. T'as rien voté Monk, ok, c'est bon. On va claquer une tente. Et ouais, il faut voter! J'adore ce concept, franchement. Ce jeu est génial juste pour me permettre de faire ça. Attends, je suis cool. Voilà. Je vais remettre l'écran là où il est censé être. Enfin, la fenêtre là où elle est censée être. Je me fie à vous, public. Je me fie à vous.
L'avenir de cette run repose entre vos mains. Et c'est parti! Oh putain, elle est empoisonnée, fait chier. Alors, commencer comme ça. Hein. Attends, non, non, t'as, tu fais ça. Tu tapes. Alors, antidote. Comment qu'elle appelle son chéri après avoir fait chier le monde, quoi. Donc, quelque chose qui me dit que j'aurais mieux fait de... Ouais, je vais continuer à la taper... au moins beaucoup. Bien inspiré là. Là j'ai été inspiré sur le heal. Oh putain ça fait mal. On va faire du kick. Merci pour le changement d'équipe. C'est pas moi, c'est un travail d'équipe. Voyons. C'est un travail d'équipe et uniquement ça. C'est un magnifique travail d'équipe. Oh, le petit dragon, il est trop choupi. Il est choupi le petit dragon. Je vais faire un truc pendant ce temps. Voilà. Alors, ce poll vous permet en votant. Quel que soit le truc du vote, quand il y aura assez de voix, bon bah là vu que vous êtes 4, quand il y aura 4 voix sur ce poll, on changera l'équipe. On remettra un vote pour changer l'équipe. Parce que c'est ça, c'est interactif, vous pouvez me faire changer d'équipe quand vous voulez. Voilà. C'était... Non, en fait, ça avance vachement vite.
Donc il y a une ville ici. On va faire un truc déjà. Pas ça. Voilà. Premier truc. Puis je vais farmer jusqu'à avoir 2000. Avant de rentrer en ville pour aller acheter du matos. Là, c'est pas besoin de faire... Ouais, en gros, c'est si tu votes, ça veut dire que tu veux que je change d'équipe. C'est aussi simple que ça. Si tu votes, c'est pour que je... ça veut dire que je vais changer d'équipe. Quand tout le monde aura voté pour. Quand j'aurai eu 4 votes sur ce pôle, sur ce vote-là, je changerai d'équipe. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir! Ah, moi ça va aller vite d'avoir les 2000. C'est rien, il n'y a pas de problème. Le mob il s'est barré. Comment que le mob il s'est barré quoi? Donc, allons en ville. On va commencer par Regen, toujours. En gros, vous pouvez me faire changer d'équipe pour me faire chier, pour le plaisir, ou parce que vous savez qu'il y a un boss qui arrive et qu'il faut pas que j'ai cette équipe-là. Non mais... PNJ casse-toi. Merci. Ah là là, c'est PNJ qui te bloque le chemin. Qu'est-ce que c'est chiant. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de la prochaine extension. Je vais vérifier un truc. Dark Knight, voilà. On est sûr que ça tombe directement à la 2.4? Ouais, moi aussi j'ai hâte de la 2.4. J'ai très très hâte. Bah, c'est pas demain qu'elle tombe d'ailleurs la 2.4. Voilà, il y a Ninja et Rogue déjà à la 2.4. Ah d'accord, tu parles de la suivante. Celle où on a vu qu'il allait avoir le dragon et tout, enfin le Dark Knight. Bah, il me semble que c'est demain, hein.
reste encore la magie à aller chercher. Ah, j'ai plus de sous. Bah écoutez, je vais aller farmer. Ah, moi c'est le système de jeu qui m'a sur auquel j'ai vraiment beaucoup accroché. C'est vraiment le gameplay auquel j'ai accroché, j'ai vraiment kiffé grave. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pas grave. Attends, je pense à un truc. Ouais, tu m'avais dit. Oh putain, j'aime pas les back attacks. C'est la mort, les back attacks. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Les back attacks, c'est le mal. On va régler ça autrement. Hein. On entend à peine le son du jeu là, c'est bizarre. Ah non, c'est bon, pardon. Bon bah non, tu disais pas de la merde, tu m'aides à ce que mon stream y soit bien, tu dis pas de la merde. C'est quoi ces gens qui disent qu'ils disent de la merde, quoi, c'est n'importe quoi. Ça, c'est l'habitude de Pokémon d'aller dans les hautes herbes pour avoir plus de combats. Bah comme quoi, je fais pas de la merde. Comme quoi, je fais bien de faire ça. J'ai monté à 2000. Donc j'ai fermé jusqu'à avoir 2000. Ou jusqu'à devoir... C'est quoi ce boss? C'est Antonio Banderas? Désolé, c'est le nom du boss qui m'évoque ça, fallait que je la fasse. Et sérieux, il fait mal, hein. Appuie le mob. Ah, c'est pas ça que je vais utiliser. Je pense que juste fight, ça suffit.
Attendez, je reviens. Je reviens tout de suite. T'as le Tamagotchi. Ouais, attends, je fais ça du coup pour t'entendre. Et puis voilà. Donc Nina est rentrée. Et pour ça, je suis allé lui ouvrir la porte. Parce qu'elle grattait à la porte comme une, comme un chat écœuré. Rends-moi mon plaid, la chaise. Voilà. Donc, je me réinstalle correctement. Et on va continuer ce qu'on était en train de faire. Ouais, revoilà Antonio Banderas. Quoi? Il va une soirée de la maison, je rentre et Antonio Banderas. Bah ouais, écoute. C'est pas ma faute, hein. Enfin, sur moi, il est pas gonflable. Non, non, il est pas gonflable. Par contre, il est tout jaune et il a une tête de lion. Alors, il y a Ariane qui dit coucou Nina. Coucou Ariane. Bon, je pense que tu l'as entendu, du coup, elle a dit coucou Ariane. Ah bah il s'est barré. Oh les lâches. Oh les lâches. Eh mais j'ai jamais à avoir mes sous à ce rythme là. Tu l'as entendu, voilà. Donc du coup elle va peut-être nous rejoindre sur ce magnifique stream. Puis pareil, je bourrine le bouton. Je bourrine un bouton. Un bouton que dans un Final Fantasy, j'aurais tendance à appeler rond parce que j'ai commencé avec FF7. Quand je suis dans la forêt pour chercher un combat. Comme si ça me faisait popper le combat plus vite de faire ça. Comme dans Pokémon. En fait, j'ai tout comme dans Pokémon. Un peu le soutif qui me fait mal, donc je vais le remettre en place. Putain, mais c'est tellement violent les monks. Ah, tu me diras, j'ai déjà fait la moitié du taf. Coucou Pupus. Ça s'est bien passé ta soirée? Nickel. Tu sais que Willow m'a demandé pourquoi t'étais pas là. Donc alors je t'explique un petit peu le principe de ce stream de l'infini. En fait, il y a un vote qui est organisé sur Nightbot. Donc si tu tapes point exclamation vote espace, un numéro quelconque, que ce soit 1 ou 2, tu peux voter pour que je change d'équipe. Pour que je change l'équipe de mes personnages. Auquel cas, ce qui se passera, on votera pour savoir quel personnage prendra quelle classe. Voilà. Re-Spifounette. Et bah, il reste encore 800 à ramasser avant d'aller faire des emplettes. J'ai toujours pas appris la moindre magie bleue, hein. Je tiens à le signaler.
Voilà. Merde, c'est ça que je voulais faire. Ah, c'est pas grave. J'aurais fait pareil en fait. Escape. Il me gonfle ce boss à faire escape. Alors j'ai promis jusqu'à 23h, je me sens continuer un peu. Regard blasé du mob qui s'enfuit. Le pire, c'est que c'est vrai en plus. Je suis sûr que c'est vrai. Alors, j'ai dit je suis sûr que c'est vrai, il y a Nina qui m'a fait... sur ce stream, c'est un miracle. Pourquoi est-ce que je fais ça alors que je sais que ça sert à rien et qu'il s'enfuit après? J'en suis où? Il reste 600 à ramasser. Oh putain, il y a eu un paquet d'images perdues à un moment, ça a l'air stable maintenant, mais... Il y a eu un énorme paquet d'images perdues, je suis désolé. Ça continue à monter un peu, les images perdues, c'est... pas cool. Non, elle essaie vraiment de tuer des gens. Je creuse. Alors... J'ai plus de MP sur mon Black Mage. S'en fout, j'ai quand même continué à farmer. Non, mais j'aime bien donner des réponses cons en fait. Faut pas t'en faire, hein. Mais Nina peut raconter comment ce qui s'est passé avec sa mère quand elle a vu que j'avais une pompe à vélo. C'était épique. Vas-y, raconte, c'est marrant. Allez. Je raconte quand ça arrivera dans le... Dans le son. D'accord. Allez, plus de 300, ça va aller assez vite. Tellement violent, donc. Bientôt, bientôt. Un ou deux combats.
Tu vois, il n'y avait rien de cochon. Pardon. Alors, je suis un peu deg d'avoir raté qu'il aille. J'espérais qu'il n'est pas fini, justement, quand je finisse. Ah, ça y est, j'ai mes 2000. Donc, j'ai regardé si j'ai de quoi m'acheter toutes les merdes que je veux m'acheter. C'était même pas crade ou dégueu. Alors que c'est comme un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais enceinte et je me suis vu répondre, bah non, je suis juste grosse. Mais personne ne savait plus où se mettre, moi ça me semblait être la réponse logique, quoi. Ah, j'ai pu finir d'acheter mes saloperies. Là, je peux plus en acheter. Ça, j'en ai 3, donc c'est bon. Ça peut servir, j'en ai pas, donc c'est bon. Oui, ça tu m'avais dit aussi. Ah, mais moi, on me l'a fait plusieurs fois. Le plus fort, c'était quand on était en train d'aller chercher les meubles pour la chambre. Donc je suis en train de commencer à charger la camionnette qu'on a louée pour l'occasion. Puis une nana qui est en train d'attendre pour ses meubles et elle regarde son mec et fait « Putain, mais va l'aider, merde, tu vois bien qu'elle est enceinte !» Mais du coup, il y a un mec qui m'a aidé à charger mes meubles en pensant que j'étais enceinte. Voilà. Et en se faisant engueuler par sa nana au passage. Donc, alors, je fais une sauvegarde. Et un petit peu de quoi qui va se passer dans les temps à venir ici. Parce que c'est un stream où j'ai du temps, donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai envie de faire avec mes streams à la con. Si vous avez vu que j'ai mis un planning. Hein. Donc attendez, j'ai mis un planning, il est là. Normalement, voilà. Donc le planning, il est là. Et donc, le truc, c'est que maintenant, je vais essayer de streamer en suivant ce planning, ma foi, quand même un peu chargé, parce que j'ai envie de streamer de façon chargée. Ça me plaît beaucoup. Et donc, sur les streams du jeudi, le fil rouge du jeudi soir, je pense que je vais garder le créneau du jeudi soir, justement, pour mes fils rouges. La mise en douille au pâté, j'adore. Donc j'ai gardé le jeudi soir, je pense, pour mes fils rouges. L'idée, ça va être de jouer à des jeux longs. Exemple, Final Fantasy V. Hein. D'aller les finir tranquillement. Et l'idée, c'est parce que je pense qu'il y aura des passages qui seront quand même passablement chiants. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de mettre en place un système, je ne sais pas encore comment. Parce que je n'ai pas passé par Skype. Mais pour que les personnes qui ont envie puissent me rejoindre en vocal pour papoter sur mon stream. Parce que de toute façon, quitte à se faire chier à regarder quelqu'un farmer sur Final Fantasy V, autant être plusieurs à raconter des conneries en vocal en même temps. Voilà. C'est l'idée. Donc du coup, je sais pas si l'idée vous branche, je vais essayer de mettre ça en place. De toute façon, je vous tiendrai au courant de comment je fais ça. Et puis je vais continuer à essayer de stream à cette fréquence. En tout cas, tant que j'ai pas de boulot. Si un jour j'ai un boulot, j'arrêterai. Je devrais changer de fréquence de stream, mais ça c'est autre chose. Et de stream comme ça, des trucs sympas, du super play le matin, parce que j'en ai à faire.
Bah du super play, ce que je, honnêtement, hein, ce que je fais sur NecroDancer, c'est pas du super play. En même temps, j'ai même pas 20 heures de jeu sur le jeu. J'ai même pas passé 20 heures dessus, donc le temps de m'entraîner. Surtout que j'ai plein de trucs, j'ai envie de stream. Donc faire du stream en vocal avec des gens, oui. Faire du stream où je joue et où il y a des gens qui viennent pour parler de choses et d'autres, et pour papoter, pour juste me tenir compagnie en vocal, parce que bah, des fois, par exemple, sur du Final Fantasy V, c'est un peu dur de meubler en vocal tout le temps, tout bêtement, quand on est seul. Et donc des gens qui ont envie de parler d'un truc, qui les branchent, ou quelque chose comme ça, ben voilà, c'est l'idée n'est pas du tout originale, je l'avoue, je le concède. Mais ça fait un bout de temps que j'avais envie de faire un truc comme ça, donc quitte à mettre un planning et à streamer des trucs avec un planning, je lance tous les trucs que j'avais envie de faire. Donc voilà. Donc je sais pas encore comment ça va se passer. Je sais pas encore. Je vais voir, je vais essayer de mettre ça en place pour la semaine prochaine. Ce sera peut-être pas la semaine prochaine tout de suite. Mais bon. Voilà. Donc ça c'était les trucs que j'ai fait. Donc j'ai continué aussi à stream le lundi soir des jeux en découverte. C'est une possibilité. Écoute, c'est une possibilité. Après, je sais pas encore comment ça va se passer, comment je vais gérer le truc. Hein. Puis l'idée, c'est aussi que les gens puissent tourner s'il y a plusieurs personnes qui ont envie de venir parler d'un truc en particulier, que ce soit possible. Donc voilà, ça c'était pour l'idée. Donc maintenant, je vais aller voir qui je peux raid, parce que je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Alors, d'ailleurs, je vais faire un save state histoire d'être sûr. Oh, mais il semblerait que j'ai des gens à raid. Mais c'est une bonne chose. C'est cool d'avoir des gens à raid. Mine de rien, il est déjà tard. Je vois que Kilaï est là, que Kilaï est toujours en stream. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a pas fini, contrairement à ce que j'ai cru comprendre sur Twitter? Eh bah ouais, t'arrives pour la fin, désolé. D'accord, donc Kilaï est en train de finir. On va éviter de raid Kilaï qui est en train de finir, quoi. Ça me semble bête. Bah, ça a l'air. Parce que... Ouais, Kilaï va couper. Donc, j'ai quelqu'un d'autre à aller raid. C'est pas grave, j'ai une autre idée pour quelqu'un à aller raid. Donc, on va faire notre petit raid tranquillement. Ouais, à couper le temps que je fasse mon truc, donc... Donc on va aller raid carte 7 avec comme message un message du troll. Voilà. Avec un joli message du troll pour Card 7. Qui est offline aussi. Et merde. Mais c'est n'importe quoi. Mais non, bah du coup pas Card 7. Oh putain. Oh sérieux les gens. Card vient d'arrêter en effet. Mais laissez-moi arrêter. Voilà, c'est mieux quand c'est toi qui le fais. Bah, bonne soirée, Indie Even. Alors, qui c'est qu'on peut aller voir, du coup?
Alors, je vérifie. Je vérifie que cette fois le stream tourne avant de vous donner l'adresse. Alors, PCC, bah écoute, je vais aller voir, de toute façon, je crois que je l'ai jamais réglé. Je vais aller voir, d'ailleurs, je ne la suis pas, c'est une grande erreur, c'est une grande faute de ma part, il faudrait que j'y remédie. Donc, déjà, je vais mettre le follow, parce que comme ça, ce sera fait. Et donc, on va voir, on va voir. On va voir, je ne garantis rien. Je ne garantis pas le raid à cette heure. On va essayer de raid. Alors j'attends que ça charge pour savoir. Ça tourne. Ça marche, on va raid PCCil. Alors, attendez, le temps que je fasse tout le quoi qu'il faut faire. Voilà. Et puis, des bisous. Et puis, merci d'avoir suivi. Et à demain pour du Zelda et du FF14. Bisous, salut!